assurance auto va s'envoler. Ah, ça va vraiment de mal en pis. Ça doit être le lieu où l'hôpital stocke tous ces énormes feux.
Arrête de faire l'andouille et viens me sauver, Chase. J'essaye. Tu te fiches de moi ou quoi? Je n'ai aucun moyen de grimper là-haut. Mais je pourrais peut-être grimper là-bas. Ellie, je vais encore avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Vous n'auriez pas une cachette au commissariat? Des types poursuivent Natalia et elle ne peut pas retourner chez elle. Il n'y a pas de place en ce moment. Elles sont toutes occupées par les hommes de Chan qui se dénoncent les uns les autres. Mais si ça ne la dérange pas de se faire héberger par une inconnue, elle peut rester chez moi. Elle sera en sûreté? J'ai un gros chien, mais il ne sera pas d'une grande aide pour nous défendre, sauf si les méchants sont allergiques aux chiens. C'est toujours mieux que de partager une cachette avec un des hommes de Chan. Encore merci, Ellie. De rien. Je vais y aller tout de suite. T'as besoin de renfort? On n'a pas le temps. Je vais m'en occuper. Pas intérêt à me lâcher à mi-chemin. Faut pas qu'il arrive jusqu'à elle. J'arrive! Reste où tu es! Ah d'accord! Je me demandais justement si je n'allais pas me jeter dans le vide! Face à un danger mortel, son côté sarcastique ressort de plus belle. Hey! Bon ben, ok! J'espère que ce poulet supportera notre poids à tous les deux. Tu sous-entends que je suis lourde? C'est ça! Je choisis ce moment précis pour discuter de ton poids. Où est l'hélicoptère de l'hôpital? Juste le jour où il n'est pas là, comme par hasard. Mais bien sûr, un hélicoptère. Ah bien sûr, quand je trimballe des dossiers, l'hélico de l'hôpital est toujours dans le coin pour les faire s'envoler. Mais quand je suis poursuivie par des hommes mystérieux, personne à l'horizon. Reste en arrière, je vais m'occuper d'eux. Oui, je crois que ça vaut mieux. Oh.
J'espère qu'il n'y en a pas plus. Allez, monte! T'es sûr? Tu sais piloter un hélico? On va voir ça. C'était qui, ces types? Aucune idée. On n'aurait pas dit des hommes de Chan ou de Vinnie Pappalardo. Ils ne ressemblent pas non plus aux voyous de Rex. Le seul moment où ils portent un costume, c'est au tribunal. Ce sont eux qui ont mon père, Chase? Ça se pourrait, mais je pensais plutôt que Rex était derrière tout ça. Et il fait quoi, au juste, ton père? Il est professeur. Il a travaillé sur Apollo Island pendant des années. Mais depuis quelques mois, il a un contrat de recherche privé. Oh! Je connais pas tous les détails. Et à cause des pierres précieuses sur lesquelles il travaille, il garde sa maison bien fermée. Qu'est-ce qu'il y a, Chase? Je ne suis pas sûr à 100%. Chan et Vinnie travaillaient pour Rex. Ces autres types? Peut-être que Rex travaille pour eux. Je vais me renseigner. Mais d'abord, je t'emmène chez une amie. Elle s'appelle Ellie. Tu devrais être en sécurité chez elle. Merci, Chase. Oh. Eh bien, on dirait que je sais piloter un hélicoptère, hein? Et maintenant, je sais qu'il faut couper les moteurs après avoir atterri. Je crois que je te dois des excuses. Je sais que tu as toujours essayé de me protéger. J'étais juste inquiète pour mon père. Et je sais que tu n'avais pas l'intention de révéler mon identité pendant le procès de Rex. Oui. Alors pourquoi t'es-tu montré aussi pénible? Parce que je n'étais pas contente pour autant. Quand je t'ai rencontrée, je t'ai fait totalement confiance. J'avais même un petit faible pour toi. Alors quand t'es partie comme ça... Un petit faible? Oh, tais-toi. Ça te dirait qu'on allait voir un film, un de ces quatre? T'es un chic type, en fait, Chase. Mais tu es marié à ton boulot, et je ne sors pas avec les hommes mariés. Prendre un café, alors? Trouve juste mon père, Chase. Un thé? Un petit cookie? Une glace? Les glaces. Vinnie doit rencontrer Rex. Pourvu qu'il n'ait pas encore quitté le magasin.